Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Après la grave injustice du régime algérien envers les jeunes Kabyles condamnés à mort, injustement, le Parlement Kabyle dénonce lui aussi cet acte criminel du régime algérien. Le Parlement Kabyle, ou Limni Akbayli, que je trouve plus démocratique et plus moderne que le Parlement algérien qui regorge de corrompus, des dinosaures corrompus soumis, complètement soumis aux caporaux qui dirigent le pays. Limni Akbayli, un Parlement moderne qui n'a rien à voir avec celui de l'Algérie, a tenu sa deuxième plénière en sa deuxième législature 2023-2026, ouverte par le président de Limni, après l'entonnement de l'hymne national kabyle. La parole fut donnée juste après au président du MAC et de la NAVAD, M. Farhat Atsid, qui a honoré par sa présence l'Assemblée parlementaire kabyle et qui a prononcé un bref discours où il est revenu sur la situation politique en Kabylie et dans le monde. Il a aussi rendu un vibrant hommage au vice-président sortant, M. Zidane Aitlefdel, pour le travail exemplaire qu'il a accompli en qualité de premier ministre d'abord et de vice-président par la suite. Après le discours du président de l'ANAVAD, la parole fut donnée au premier ministre et au chargé des relations entre la présidence de l'ANAVAD et Limni Akbayli, le Parlement kabyle. Par la suite, les parlementaires kabyles ont élu à leur unanimité l'ex-président du Limni durant la première législature 2020-2023 comme président d'honneur au Parlement kabyle. S'en est suivi l'élection et à l'unanimité une fois encore des trois vice-présidents de Limni, Kabylie, Europe et Amérique du Nord pour la deuxième législature 2023-2026. Les trois nouveaux vice-présidents ont pris la parole pour remercier les parlementaires qui ont placé leur entière confiance en eux. Une démocratie, une transparence qu'on ne pourrait jamais trouver au sein du Parlement algérien dirigé par un dinosaure. Aussi, le décret présidentiel instaurant la journée de la résistance kabyle, la JRK, a été examiné avec plusieurs amendements apportés par les parlementaires, d'autres amendements et l'adoption finale sont programmés pour la prochaine plénière. Enfin, et c'est le plus important, et après l'hommage rendu par l'ensemble des présents à l'instar du président du MAC et de l'ANAVAD, au vice-président partant à sa demande, M. Zidane Aitlefdel, les parlementaires ont condamné d'une manière sans équivoque le procès de la honte dit affaire de l'Arba Naitirten, où des innocents kabyles sont arbitrairement condamnés à de très lourdes peines sur la base de dossiers vides, si ce n'est le seul délit de kabylité. Dans ce cadre, Limni Akbayli, le Parlement kabyle, interpelle l'ensemble des gouvernements et parlements des nations démocratiques, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et toutes les instances et les organisations internationales de défense des droits de l'homme et de protection des droits des peuples autochtones afin d'intervenir en urgence auprès du régime colonial algérien pour demander d'une part la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques kabyles injustement incarcérés et d'autre part réclamer la cessation de la répression, des incarcérations injustifiées et des condamnations sévères et arbitraires des Kabyles
qui luttent pacifiquement pour leur indépendance, droit consacré par l'ensemble des pactes et traités internationaux et auxquels adhère pourtant l'Algérie coloniale. La presse internationale est aussi interpellée pour son silence assourdissant et son indifférence totale face au génocide qu'opère le gouvernement colonial algérien contre le peuple kabyle, qui lutte pacifiquement pour l'organisation d'un référendum portant sur son autodétermination. Fin du communiqué de l'Imni Akbaili, le Parlement kabyle. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne si vous avez les petits moyens de vous adhérer. Avec 3 euros par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne, ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ses détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Blad deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'uyun maghribiya, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Blad à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazir, la chanson amazir que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez, chacun en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'uyun maghribiya, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah. Bienvenue sur votre chaîne préférée, Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais remercier l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné. C'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. C'est pas cher, c'est juste 3 euros à peu près
et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Rejoindre » juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats, lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branché sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous.